L'illusivaire n'a pas voulu arrêter son concert malgré qu'il y avait des malaises. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il était vraiment en colère. Il y aura aussi des news sur Kanye West, Drake, Travis Scott. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. We Are Chaîne Nation est un site rempli de bijoux étincelants. Vous aurez aucun problème car leurs bijoux sont résistants. Je vous laisse admirer par vous-même leurs nombreux bijoux. Pour toute question ou demande, ils seront à votre écoute. Et pour deux produits achetés, le troisième est offert sur l'ensemble du site. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois grâce à PayPal ou Klarna avec le code promo Blackie. Alors la news sur Kanye West, c'est que la version deluxe de Donda est enfin disponible. Travis Scott a annulé son concert à Abu Dhabi. Il allait recevoir 6 millions de dollars pour ce concert. Il a aussi annulé sa participation au festival Day in Vegas qui a eu lieu le 13 novembre. Il a été remplacé par Post Malone. Et durant ce festival, il y avait pas mal d'artistes, Lil Baby, Doja Cat et l'Illusivaire. Et à un moment, il y a eu des mouvements de foule très violents qui ont provoqué plusieurs malaises. Du coup, l'Illusivaire, il s'est exprimé. Je ne fais pas de pause. Si ça ne va pas bien, partez. Si vous ne comptez pas partir, restez. C'est pas pour cette raison que l'Illusivaire était énervé. À un moment, les organisateurs ont carrément coupé le micro. Il a pété un câble, il a balancé le micro en direction du public. Et il a quitté la scène. Il y avait des gens qui commençaient à siffler, qui étaient mécontents parce qu'il partait. Et pour quelle raison le micro de l'Illusivaire a été coupé par les organisateurs? Eh bien, c'est parce qu'il est arrivé en retard. Il était quand même en retard de 30 minutes. Hein. Et la dernière news, mesdames et messieurs, qui est incroyable. Non, ce n'est même pas un montage, la photo que je vais te montrer. Kanye West et Drake ensemble avec Diplo. Ils se sont retrouvés le mardi 16 novembre à Toronto dans le manoir de Drake. Ils se sont vraiment réconciliés. Mais la question, c'est combien de temps ça va durer? Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Kanye West et Drake. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez des autres news sur Travis Scott, l'album deluxe de Donda qui est sorti, la news principale sur l'Illusivaire qui était en colère à cause des organisateurs et ce qui s'est passé aussi dans le public. Qu'est-ce que vous en pensez des propos qu'il a dit? Et il a pas parlé chinois, il est allé droit au but. Bref, réagissez dans les commentaires. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Yes, this shit is bro coming at your door. You start to scream.